autour de l'ennemi là qui traîne dans les bois. Ensuite, tu prends tes AT4, tu te mets dans cette direction. Pour le 4e régiment étranger, venir s'entraîner au Santac est une première. Les autres groupes, les trois groupes, ok, on va s'emparer de l'objectif. Ce sont environ 600 légionnaires qui participent à cet exercice entre le 1er et le 12 février 2016. Pour le 4e étranger, le but de cet exercice est de profiter des infrastructures exceptionnelles du Santac, qui sur le plan pédagogique offre d'immenses possibilités pour continuer à s'entraîner pour les cadres permanents du régiment et pour permettre aux différents niveaux de poursuivre leur formation, c'est-à-dire les élèves sous-officiers, les élèves caporaux et les légionnaires à l'instruction. C'est dans un froid polaire et sous la pluie que les séances d'entraînement débutent. Pour la plupart des légionnaires, c'est leur première sortie sur le terrain. Cet exercice, il est adapté pour la formation des légionnaires. Ce n'est pas une rotation au centre d'entraînement au combat tel que les font les régiments des forces. Cependant, on s'est basé sur le canevas des exercices pour faire une rotation qui soit progressive. Donc un exercice progressif dans le but vraiment d'être pédagogique pour nos légionnaires. Tout officier, sous-officier et légionnaire ont été mis à rude épreuve au cours de cet exercice qui se voulait le plus réaliste possible.